temps de pause pour admirer la magnifique jungle du Dja. Qu'en regardant à droite vers le chemin, nous pouvons voir un des plus gros fils de pute de cette jungle, communément appelé Rotin. Profitons de cet instant de solitude pour nous brancher un peu plus sur notre ami le Rotin. Ici, une liane mère de Rotin, remplie d'épines, parcourt la forêt. Comme vous pouvez le voir, cette liane de merde parcourt d'énormes distances dans la forêt afin de venir parasiter telle une petite merde un grand arbre comme celui-ci. L'arbre est entièrement couvert de rotins qui, rappelons-le, est un palmier liane qui casse bien les couilles. Il pourrait vous arriver la même chose qu'à moi, c'est-à-dire de tomber dans un morceau de rotin et arriver tout en bas du rotin, là où votre main ne peut devenir que ceci. Cela. Ceci. Voilà. La douleur du rotin. La haine du rotin. La source de toute la haine de ce monde. Regardez-moi de quel genre de bordel cet arbre est capable. Est-ce que vous comprenez ce qu'il y a sur l'écran? Moi non plus. Putain de mouche, la con. I talk nicely to them and try and get them to come closer. Oh fuck. Pour ceux qui n'ont jamais vu, un arbre du latex qui coule. Oups. Ça coule. Ça colle ? Ouais, ça coule. Et ici, voilà la fourmilière qu'on a dû casser pour mesurer l'arbre. Les fourmis, elles sont pas contentes. Hein. Allons alors. Ouais. Donc on a dû enlever l'écorce sur toute la partie de l'arbre pour avoir le bon diamètre. Oui. On nettoie ça pour avoir un bon diamètre. C'est ça. Et puis, on a une petite termite ici qui sort de l'ornée. Enfin, on a coupé l'ornée. Si on regarde tout en bas de l'arbre. Enfin, toutes celles qui sont tombées. Ici,
quelques fourmis opportunistes qui volent les termites, les larves termites. Il les ramène à la maison. Et ici, une petite termitière, qui n'est pas si petite que ça, comme vous pouvez sans doute le voir. Il y en a quand même pas mal comme ça en forêt, qui poussent, on dirait des gros champignons. C'est assez curieux. Et à l'intérieur, bon, bah, c'est comme dans une fourmilière normale, c'est rempli de petites alvéoles. Juste là, ça, c'est une fourmilière un peu plus... une termitière, une fourmilière. Parfois, les fourmis envahissent les termites. Un peu plus classique, qui ressemble à ça. Et... comme on peut le voir, je viens un peu détruire ça. Ah bah tiens, elle a habité. C'est creux à l'intérieur. Voilà, et donc les termites vivent là-dedans, ça fait un demi-centimètre de hauteur, quoi. Enfin... Bon, tu vas prendre ton bain, tu reviens, tu entends et voici qu'un arbre tombe juste là, juste là. Genre, la tente est là, toi t'es là, et tes couilles sont là-bas. C'est juste contre cet arbre-ci, qui l'a d'ailleurs dévié, Dieu merci, sinon je dormirais je ne sais pas où. Et voici le reste de la cime de l'arbre, quelque part là-dedans, quoi. Et, petite note intéressante, comme je suis un gros flemmard, je n'ai pas mis tant d'heures, ce qui fait que l'arbre ne les a pas déchirés, ce qui fait que... ma flemme a sauvé la tente. Donc maman, spéciale dédicace, ma flemme a sauvé ta tente. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing this, Andre? Oh, for sure.
parcours la forêt. Et de la nourriture. Et après la tête de fil, il n'y a plus personne, donc c'est vraiment toute une colonie de fourmis qui se promènent. Mais alors elles ont la particularité de faire du bruit. J'ai juste soufflé dessus. Regarde le bazar qui se passe. Toute la colonne s'accélère. Réessayons. Avec la tête de fil. C'est ici que s'achève 11 jours de forêt. Fascinant, éprouvant. Et quoi de mieux que de vous laisser avec le cliché de la rivière dans la forêt tropicale. Peace out.